Yo, yo, yo les amis, c'est l'Austral, l'Austral en slowbar 2 en satellite pour une nouvelle partie de Condamned d'un chapitre 8. Vous connaissez le petit rituel, vous éteignez vos lumières, vous regardez cette vidéo le soir et vous augmentez le son de la vidéo à toc. Moi pareil, je joue, là il est 21h, ça y est, il fait nuit, c'est parfait. J'ai fermé les volets, je suis dans les conditions requises pour savourer au mieux ce putain de jeu et j'ai le son qui est assez fort, pas trop quand même, parce que faut pas non plus risquer la crise cardiaque. Et voilà, donc nous nous étions arrêtés dans une école. Et bah écoutez, c'est parti en avant Guingamp. Moi ça fait au moins une semaine et demie, voire 2 semaines que j'ai pas joué à ce jeu. J'avais assez de vidéos d'avance pour vous en procurer une tous les week-ends. Et on commence avec un rat. Voilà. Un rat, tout simplement. Je vais juste baisser le son parce que putain, je jure que c'est la crise cardiaque hein, avec cette musique d'ambiance. Allez, on avance tranquillement. J'ai absolument aucune arme et ce rat m'a l'air maléfique. Parce qu'un rat, normalement, il a peur des. Un rat, normalement, ça a peur des êtres humains, ça fuit. À part quand ils sont en bande et affamés, mais là, c'est pas le cas. Je te jure que j'avais oublié à quel point ce jeu était traumatisant. Je suis dans une école, une université ou je sais pas quelle connerie. On est en train de rechercher et le tortureur et le tueur en série. Oh la vache. On est en train de rechercher et le tortureur et le tueur en série X. Hein, on l'a surnommé comme ça. Et le rat qui n'avance toujours pas, même le rat il a peur, tu sais. Est-ce que je pourrais trouver des canalisations? Il y en a une là. Je vais essayer de la récupérer sans me faire sauter dessus. Sinon, il y a quoi? Il y a un bureau. On va se battre avec un bureau. C'est toujours mieux que rien. Canalisation fait plus de dégâts. Bah écoutez. Parti pour la canalisation, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui va m'attaquer de partout, je commence à flipper, un truc de fou. J'ose déjà pas avancer, ça s'annonce bien pour ce putain de playthrough. Je vais essayer de vous parler, il y a un corbeau apparemment par terre. Putain de Taras. Il y a un corbeau qui doit être juste là, ouais il est là. Hop, au moins ça c'est fait. Et un petit succès qui va bien. Putain. J'ose vraiment pas avancer. Hein. J'y vais mais. À contre-coeur. Manquerait plus qu'il nous fasse un asile dans ce putain de jeu et là franchement on aurait la totale. Un asile, alors là j'ai regardé, je suis en train de regarder le playthrough de PewDiePie sur Outlast. Qui m'a l'air complètement traumatisant aussi comme jeu. Outlast, c'est un mélange. Oh non 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 vas-y non non non. Outlast, c'est un mélange de Condamned et de Amnesia en très gros. En gros, un jeu de fou furieux quoi. J'entends des bruits pas très catholiques. Pas du tout catholique pour être très précis. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Apparemment, l'école c'est l'endroit le plus dangereux de la ville, hein, ils m'ont dit les mecs. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Putain, non, 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 je te jure que non, quoi. Écoutez-moi ça! Il y a un mec en train de bouffer un Kinder Bueno là, je sais pas où, les. C'est toi là-haut? C'est son ombre. Ouais, regardez, c'est son ombre. Une masse, ok. Ouais, Outlast qui est un mélange entre Condamned et Amnesia. Condamned pour l'ambiance, parce que c'est un petit peu le même genre de délire. C'est dans un asile psychiatrique et c'est des fous furieux qui se trimballent avec des haches qui vous foncent dessus en fait. Donc ça fait vraiment penser à Condamned pour ce coup. Condamned pour l'ambiance et puis un petit peu de Amnesia pour le gameplay. C'est-à-dire que c'est un gameplay extrêmement passif dans lequel tu ne peux rien faire à part courir et te cacher. Voilà, donc c'est du Amnesia quoi. Et franchement, ça a l'air juste complètement traumatisant comme expérience. Et en plus, franchement, il m'a l'air pas mal ce jeu. Franchement, il m'a l'air très très bien. Au début, j'étais un petit peu sceptique parce que j'avais l'impression que t'es en vie. Quoi. Ah, c'est encore ces bestioles à la con là. Au début, j'étais un petit peu sceptique sur Outlast. Pour la simple et bonne raison que dans les trailers que j'avais vus. Tu vois des espèces de monstres blancs, tu sais, un petit peu à la. Merde, comment ça s'appelle? Un petit peu à la Je suis une légende.
ou un petit peu à la The Descent. C'est des espèces de bestioles blanches un peu là, toutes blanches, toutes chauves. Et moi, je trouve que ces bestioles sont assez typiques. Elles sont assez classiques, elles reviennent assez souvent dans les jeux. Faut que je baisse le son de la télé, je suis en train de penser. Ça a dû faire écho. Hop, désolé. C'est des créatures qui reviennent assez souvent dans les jeux, dans les films et dans le cinéma. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré des fous en camisole, en fait. Des fous en camisole, tu sais, qui te regardent au loin et qui font... tu sais, comme ça. Avec des longs cheveux noirs, des trucs, tu sais, des mecs tout maigrelets comme ça, qui se dandinent et tout, tu vois. J'aurais préféré ça. Mais au final, ça va. Il y en a un petit peu de ce genre de taré dans le jeu, donc ça va. C'est pas que des espèces de monstres mutants là. C'est ce qui me faisait peur, moi. Passer dessous, ouais, vas-y. N'hésite pas, l'ami, à te cambrer. J'ai vu un truc, tiens, je vais vous en parler. En lisant le bouquin du jeu, hein, le petit manuel, parce que Condamned fait encore partie de ces vieux jeux où tu avais un manuel et tu peux te permettre de lire le manuel sur les chiottes en installant le jeu, et ça c'est pour ton plus grand plaisir, tu sais. Et j'ai peur qu'il y ait un mec qui me saute dessus là, non. Et dans le manuel il est stipulé... Ah d'accord, on est là, ok. Donc là faut que je monte là-haut maintenant. Dans le manuel il est stipulé que... Il y a de ces bruits trop chelous. Hein. Dans le manuel, il est stipulé que... je vais pas y arriver à finir cette phrase. Que la lampe torche, en fait, c'est pas une histoire d'énergie ou de pile ou quoi que ce soit. Des fois, elle s'éteint ou elle vacille, c'est en fonction de l'environnement dans lequel t'évolues, en fait. Voilà. Genre, il y a des ondes magnétiques ou je sais pas quoi qui la font dysfonctionner, en fait, tout simplement. C'est pas une question de pile ou quoi. Hein. Il y a pas ce système dans le jeu. Je suis vraiment pas putain de rassuré du tout. En même temps qu'il le serait à ma place. Qu'est-ce que c'est que ce gros sac à merde de boucher? Oh la vache, je l'ai pas vu. Oh, cette parade qui m'a mis. Hop là. Ça part bien ces petites bestioles là, ces petites saloperies là. Y'a pas moyen de passer par là, ok, faut que je passe par là. J'entends des bruits de pas. Putain. Et apparemment c'est rien, apparemment le pire chapitre du jeu c'est le chapitre 9. C'est ce que j'ai lu sur un forum sans me spoiler. J'ai lu que le pire chapitre du jeu c'est le 9, c'est celui qui est juste après. Parce qu'il paraît celui-là il a traumatisé toute une communauté de joueurs. J'aime bien la masse moi quand même. Franchement c'est, je crois que c'est... Avec la hache à incendie, c'est mon arme préférée dans le jeu. Condamned, c'est le seul jeu dans lequel j'utilise ce genre d'arme de brutasse. En général, je préfère les armes tranchantes qui vont vite. Plutôt que les trucs de bourrin comme ça qui prennent un temps fou à manier, mais... Je vais me faire attaquer par un boucher fou furieux, les mecs. Je vais me faire attaquer par un boucher sanguinaire. Il est où, ce connard? Regardez-moi la main qu'il a. Ah non, je crois que c'était une main, d'accord. Oh putain, mais il y a toute une catégorie de salopes là. Temps de réaction d'Austral. Hop là, parade. Hop là, ça c'est fait. Oh cette parade, hein, cette parade qui t'a mis le guac et bang. Ah fils de pute, tu m'as bien eu là, je livre. Je pourrais aller ramasser de la santé avant de m'avancer un peu plus dans les ténèbres, mais je préfère quand même m'avancer pour savoir s'il n'y a pas ce boucher fou furieux qui m'attend dans un coin. Parce que ça, c'est le genre de mob à vous enlever la moitié de votre santé en un coup, tu sais. Vu la taille de ses bras, la taille de sa tub, très sincèrement, s'il me prend dans un coin sombre, ma santé risque d'y passer. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que j'avance dans tout ce bordel, mon putain? Je suis dans une... C'est une école, ça, le truc, à la base? Oh là, j'avais pas vu ça. Il y a de la poussière qui est tombée du truc, comme quoi il y a des mecs au-dessus en train de me regarder. En train de me regarder jouer. Ferme-moi ça, je t'ai dit, putain. J'aimerais bien que tu m'écoutes, la porte. Ah, c'est bien une salle de classe, hein, y a pas de soucis à ce niveau-là. Hein.
Oh, y a un mec qui est en train d'écrire au tableau, je te jure que non. Je te jure que j'aime pas ce genre de truc. Y a un mec qui est en train d'écrire au tableau, tu sais, le mec ça a pas l'air de le traumatiser lui. Ah! Ça vient d'où? Je vois rien. C'est moi. Lose lips, sink ships. Perdre des lèvres, sink, c'est le naufrage. Enfin, comment dire, couler. Et ships, c'est des jetons, je crois. Ça veut rien dire ce que. Lose lips, sink ships. Perdre des lèvres, noyer des jetons. Ah non, ships, c'est des navires, je suis con. Je suis con. Ships, c'est des navires. Donc perdre des lèvres et noyer des navires. Je sais pas. Je sais pas. En même temps, les mecs qui écrivent ça, c'est pas forcément fait maths sup. Hein. Ils ont pas forcément fait l'Académie française, les mecs qui ont écrit cette phrase. Hein. Carl Anderson, c'est celui qu'on suppose être le tortureur. Hein. Je vous le rappelle quand même. Ouah, il y a un fusil de chasse ici. Putain, c'est bon ça. Par contre. Deux balles, putain, fuck, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, si je rencontre ce connard de boucher, je serais bien content de d'avoir ça sûrement. Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire ici? J'espère, je regardais juste faire un tour pour voir, mais apparemment, ouais, j'ai tout fait. Ok, c'est bon. Hop, 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 hop. Et si je tombe, je pourrais pas récupérer ma masse. Ça deviendra problématique. Réveille-toi, dépêche-toi. Enfin, réveille-toi, lève-toi, je veux dire. Bang. Hop là, ça c'est fait. Les fusils se cassent quand on les utilise de cette manière-là au bout d'un moment. Faut pas trop abuser avec ça, ça fait chier, ma masse est au-dessus du coup, ça m'emmerde au plus haut point ça. Il y a de la santé ici, je vais juste regarder cette porte là si on peut l'ouvrir. Oh putain, il y a tellement d'endroits où on peut aller, ça me déprime, ça me déprime, ça me déprime, très sincèrement ça me déprime. Il y a tellement d'endroits où on peut aller, je vais déjà, à mon avis c'est par là qu'il faut que j'aille, et la pièce là-bas, c'est juste une petite pièce à la con, donc je vais déjà aller la fouiller, ouais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh putain non. Oh putain, puis il y a un point de save, donc ça veut dire que le scénario est par là. Que c'est par là-bas, c'est pas des pièces scriptées, donc je vais déjà aller fouiller ces pièces là. On va se la jouer comme ça. J'essaie de jouer d'une manière logique, hein. De tout faire avant de continuer à m'avancer dans les bâtiments. Par contre, il y a pas mal de santé ici, ça fait plaisir dans ce niveau. Putain, j'ai regardé les Scream là, bah Scream 1 je le connais depuis qu'il est sorti, hein, en 96. Le 1 c'était pas forcément un excellent film d'horreur, mais c'était un bon film on va dire, c'était un bon petit thriller en fait le 1. Il y avait un scénario qui était sympa, moi le 1 je l'aime bien, c'est pour son scénario en fait, voilà. C'est le boucher du lycée, c'est bien ce que je dis. Il y a le même dans Dead Rising. Toi t'es réglé. Toi t'es réglé, ça va être le boss du niveau. Ouais, le scénario de Scream 1, moi j'aime bien, tu sais, le coup des jeunes qui s'inspirent de la fiction pour commettre leur crime, là, j'aime bien, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient sur moi, putain, c'est quoi? Oh putain, arrêtez avec ça. Donc le 1 se plaide, Scream 1, il a été beaucoup critiqué par des amateurs de films d'horreur, dont moi au début je le critiquais beaucoup ce film, mais au final j'ai appris à le comprendre et à le connaître, et en fait il faut pas le regarder comme étant un film d'horreur, plutôt comme un thriller qui parle de films d'horreur, voilà, mais c'est pas vraiment un film d'horreur à proprement parler. Scream 2 c'est ni plus ni moins que du Vendredi 13, donc c'est à dire que c'est de la merde, voilà.
Vendredi 13 pour moi, ça a toujours été une saga horrifique merdique de chez merdique, quoi. Il n'y a pas un seul Vendredi 13 qui vaut le coup. Et pourtant, je les ai vus, hein. Putain, je les ai vus jusqu'au 5, je crois, les premiers. Et j'ai vu le remake. Le remake partait d'un bon sentiment parce qu'en fait, si tu veux, dans le remake de Vendredi 13, il y a un truc qui était fort, c'est que ça partait en fait. Ils voulaient garder le Jason du deuxième Vendredi 13. Dire le premier Vendredi 13 dans lequel Jason apparaît, c'est le deuxième Vendredi 13. Parce que dans le premier, c'est sa mère qui tue. Et en fait, ils voulaient garder le Jason du deuxième Vendredi 13, c'est-à-dire un Jason avec une espèce de sac en jute, en toile de jute sur la gueule, hein, une espèce de sac à patates avec un trou pour les yeux sur la gueule. Et le mec, il courait, il était assez petit, il courait, il avait une hache. Et ce personnage-là, il faisait super flipper dans la nuit. Après, vu qu'il y a eu Halloween qui a connu un succès fou, je pense que les producteurs et les réalisateurs de la saga Vendredi 13, à savoir Sean Cunningham et Miner et Steve Miner, à mon avis, ils ont dû décider de faire de Vendredi de Jason Voorhees, leur tueur, un ersatz de Michael Myers en fait, tu sais, c'est-à-dire un personnage. J'aurais jamais dû utiliser une munition sur ce connard. Je suis dégoûté. T'es mort toi ou qu'est-ce que tu fais là? Il a la tête dans le four, le mec, tu sais. Ouais, à mon avis, les producteurs de la saga Vendredi 13 ont voulu faire de leur Jason Voorhees un ersatz de Michael Myers, c'est-à-dire un personnage froid et silencieux qui se déplace lentement avec un masque blanc sur la gueule. Et bien, personnellement, je trouve que ce Jason Voorhees perd de son identité, perd de son charme, en fait. Voilà, je préférais le Jason Voorhees du deuxième opus de Vendredi 13, voilà, tout simplement. Et en fait, dans le remake, ils ont voulu faire un petit peu ce Jason Voorhees-là. Vas-y, battez-vous, les mecs, battez-vous. Sauf que c'est le cas que pour le début du film, que pour les 5 premières minutes du film, c'est la scène d'intro du film en fait. Ce qui est dommage, j'aurais bien aimé qu'il fasse vraiment le Jason Voorhees du deuxième opus Vendredi 13. Voilà, je galère dans mes explications, c'est parce que très sincèrement, je suis pas du tout rassuré par toutes ces conneries moi. Je vous rappelle qu'il y a un boucher sadique et sanguinaire qui est en train de se balader dans le même établissement scolaire que moi. Toi, t'avais une arme à feu qui m'arrangerait. Par contre, je sais pas où tu l'as acheté. Je crois qu'il avait une arme à feu. Il était en train de me braquer. Calibre 45, je saurai où le trouver. Je vais déjà utiliser ma munition de fusil à pompe sur le gros boucher sanguinaire qui se situe ici. Ça devait pas être lui en fait. C'était pas lui. Oh putain, il y a du people. Oh putain, il y a toute une smala là. Là, il y a toute une smala de tocard là, les mecs. Non, c'est pas ça que je voulais. Putain! Il est où? Non mais crève aussi, au bout d'un moment c'est pas marrant quoi. Il me reste 4 balles, ça va. Ça fait chier, j'aurais bien aimé utiliser des armes à feu sur le bouchon sanguinaire. Mais ils ont tous des armes à feu les mecs en fait là-dedans. Alors j'ai vu un conseil sur internet, mais franchement je vais pas l'appliquer. Parce que j'ai envie de jouer... Je vais jouer comme je prends de réfléchir en fait dans le jeu. Je vais jouer brut de brut. Un mec qui me disait quand t'as des ennemis avec des armes à feu comme ça, tu les laisses vider un chargeur et t'attends qu'ils rechargent. Et quand ils ont chargé, tu utilises ton taser et tu récupères leur flingue. Parce que leur flingue va être rechargée à toc en fait. Voilà. C'est une petite technique comme ça que j'avais vue. J'essaierai de le faire, mais très sincèrement, je vais. Faut pas trop m'en demander. Je vais essayer, mais on verra bien dans quelle configuration. Ouais non, laisse tomber la neige toi. Une mitraillette, en plus en général dans les jeux les mitraillettes ça fait pas beaucoup de dégâts donc c'est pas la peine de garder ça. Par contre lui il avait un flingue sur lui je crois. Lui ou lui. Ouais. Oh putain fuck, j'ai fait la bouille. Ça fait chier, j'avais une masse au début de ce putain d'épisode. Il y a tellement d'endroits où on peut aller dans ce putain de niveau. C'est le même là, c'est d'où je viens? Ouais c'est ça. Ok. Il y a tellement d'endroits où on peut aller. C'est un truc de fou furieux. Je vais me paumer 15 000 fois là. Dans l'épisode, il va durer 15 plombes. En plus, j'ai vu sur internet. Ok, je suis déjà venu. J'ai vu sur internet que la durée de vie du jeu c'était aux alentours de 12 heures. Et après l'épisode 7, j'ai compté. J'avais que 6 heures et demie de vidéo. Après l'épisode 7. C'est-à-dire que sur les 3 derniers épisodes, parce qu'il y a 10 épisodes en fait, il y a 10 chapitres dans le jeu. Sur les 3 derniers chapitres, il compte à peu près entre 5 et 6 heures de jeu. Ça t'annonce que ça va être des chapitres extrêmement longs de chez long. Ça s'ouvre pas. Et ça s'ouvre pas. Ok, je le savais. Ça se voyait au skin des portes en fait. Par contre, je vais monter là-haut. Apparemment, je suis pas allé ici encore.
Pour ceux qui me demanderont pourquoi je considère la saga Vendredi 13 comme une saga merdique, comme la, pour moi c'est la plus mauvaise saga de film d'horreur de tous les temps. La saga des Vendredi 13 de Sean S. Cunningham et Steve Miner. Et c'est dommage parce que Steve Miner c'est un excellent... C'est un excellent réalisateur ce mec. Hein. Donc c'est vraiment dommage que... C'est vraiment dommage qu'il ait foiré. Steve Miner, il avait fait les deux House que moi j'ai adoré. Et c'est dommage qu'il ait foiré ses Vendredi 13 en fait. Mais je crois que Steve Miner, il a fait le deuxième Vendredi 13 et je crois que c'est le meilleur de la saga. Il est pas terrible, mais il est quand même largement au-dessus des autres. Hein. Même le premier est nul à chier. Le premier, quand c'est la mère de Jason qui tue, c'est vraiment de la merde déjà. Hein. Franchement, faut dire ce qui est. C'est vraiment le truc typique, tu sais, avec toujours une bande d'étudiants complètement débiles. Ils sont tous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Il n'y en a pas un qui a inventé la machine à cambrer les bananes ou le fil à couper le beurre. Hein. Ils sont tous complètement demeurés, les étudiants. Donc une bande d'étudiants américains complètement débiles qui pensent qu'à boire de la bière et baiser. Je sais bien que quand t'es jeune, ça occupe une grande partie de ton temps, ça, normalement. Mais très logiquement, ça fait pas de toi à demeurer, quoi, normalement. Voilà. Et ben là, c'est le cas, en fait. Donc ils vont camper à Crystal Lake et les mecs se font dézinguer la gueule l'un après l'autre. Tu vois, parce qu'il y a toujours un connard pour aller pisser tout seul dans la forêt à 3h du mat, voilà. Et donc, en fait, tout le long, c'est « Tiens, je vais aller pisser tout seul. » Même si... Même si on a perdu Sarah et Johnny, ça fait 4 heures qu'on les a pas revus, on sait pas où ils sont, on a entendu des cris dans la forêt, on a vu un mec se déplacer entre les arbres avec une machette à la main, mais je vais quand même aller pisser un coup tout seul dans la forêt, quoi. Je vais pas m'armer, je vais pas prendre un truc avec moi. Pourquoi ma manette vibre tout d'un coup, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, non, mais vas-y, c'est quoi ces conneries, là? Putain, il y a des mecs au-dessus, en train de marcher au-dessus. Non, non. Garde le clou 2x4, ça fait plus de dégâts. Je te jure qu'il y a des mecs en train de marcher au-dessus de moi, à l'étage du dessus. Ça, c'est sûr et certain, de toute manière. De toute manière, tous les films d'horreur, hache nécessaire, ok, ça m'arrange. Comme ça, ça veut dire que je vais être armé d'une hache dans quelques instants, chers amis. Et ça, c'est pour mon plus grand bonheur. Il y a trop de trucs chelous ici, il y a des rats et tout. Putain, je te jure que... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ici. Ah putain, j'ai pas envie d'ouvrir cette porte. Je crois que c'est le boucher sanguinaire. Ah putain. Putain. Qu'est-ce qu'il est en train de bouffer, lui? Ça devait manquer de sel, je pense, quand même. En tout cas, si vous y connaissez pas forcément un film d'horreur et que vous avez envie d'en apprendre plus, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et tout. J'ai pas envie de faire le mec qui se vante comme quoi j'ai une grosse culture et tout de cinéma d'horreur. Mais très sincèrement, j'en connais un petit rayon. Et c'est pas pour me vanter que je dis ça, c'est juste voilà, si vous voulez que je vous en apprenne un peu plus et que je vous aiguille et que je vous donne certains bons films, n'hésitez pas, je suis là pour ça, y a pas de souci. J'avais fait une petite vidéo qui dure quand même 1h30. Non, t'es pas sérieux. Le mec il a envie en plus hein. C'est ça le pire. Le mec ils l'ont accroché mais il est en vie le gars. Oh putain, je suis dans les cuisines. Non mais c'est... Par contre c'est énorme. Je suis complètement traumatisé là mais Mais ça me fait délirer quoi. Le mec était pendu au crochet. Faut savoir que moi je suis bouché dans la vraie vie donc ça me parle beaucoup ça, ce genre d'environnement. Ça me parle beaucoup. Et ça me plaît beaucoup. Ah mais sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ces manèges complètement morbides? Quoi? Il y a le même boucher dans Dead Rising, premier du nom. Il y a un mec complètement foireux, un boucher qui a complètement perdu l'esprit. Ah il est quand même sensible au... Par contre lui je sens qu'il va faire énormément de dégâts. Oh putain oui, oh putain j'aurais jamais dû faire ça comme ça. Ça va, il peut pas lancer des trucs. Je vais prendre sa feuille. Passe-moi ta feuille. Ah, oh, je peux pas prendre sa feuille. Non, c'est de la triche. Je te jure que c'est de la triche. Je vais mourir dans d'atroces souffrances. D'atroces souffrances. Je sais pas pourquoi je pense que c'est le mec. Il va être increvable de chez increvable. Je suis coincé. Je suis mort. Je suis mort enterré.
Parade, riposte. Parade, riposte. Parade, riposte. Parade, riposte. Parade, riposte. Parade, non! Et pourtant, j'ai fait de l'escrime quand j'étais jeune. Mais bon, je faisais pas de l'escrime contre des mecs de ce style. En général, mes adversaires, ils étaient pas comme ça. Oh, j'ai le cœur qui tambourine là. J'espère que ma sauvegarde est pas trop loin. Non, ça va, ils ont pas opté des putes. Faut que je m'arme, faut que je m'arme, faut que je m'arme, faut que je trouve quelque chose, faut que je trouve quelque chose, faut que je trouve quelque chose. Je suis stressé. Il y a de la santé ici. Je suis venu par ici. Faut que je trouve une arme, les amis. Faut que je trouve un truc, je sais pas, un fusil à pompe, quelque chose. Le problème, c'est que je crois que le niveau, je l'ai déjà fait en entier et j'ai rien trouvé. Je crois que le niveau, j'ai déjà fait quasiment en entier et que j'ai rien trouvé. Hein. Canalisation, ça fait des dégâts ou pas? Ah, ça fait plus de dégâts une canalisation. Et putain, c'est marrant ça. J'aurais jamais dit ça. J'aurais jamais pensé qu'une canalisation ferait plus de dégâts qu'un bâton avec des clous. Enfin, tant mieux. Ça sera toujours ça de prix. Oh la vache, ce combat épique. Ce combat éthique. Il y a moyen de faire quelque chose, hein, parce que vous avez vu, j'en suis quand même bien sorti avec mes parades riposte. Le problème, c'est que il a énormément de PV, ce mec. Il a énormément de PV, donc et en plus, on peut pas récupérer sa feuille. Donc, parce qu'il a une feuille de boucher, le gars, dans la main, et j'aimerais bien la récupérer. Le problème, c'est que j'arrive pas à le faire. Quoi. Apparemment, on peut pas. Ça serait trop simple. Putain. Descendre là, c'est pas un manège. C'est pas Nigloland ici, les mecs. Bon. Bah quoi, faut y aller. Hein. Allez, des dégâts. Vas-y. Le problème, c'est que son arme, elle est... Eh, ça, si c'est pas un clin d'œil à Leatherface... Ça, c'est un clin d'œil à Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, les mecs. Pareil, Massacre à la tronçonneuse, n'hésitez pas à regarder celui de 1974 de Tobey Hooper, qui est largement au-dessus du remake de Marcus Nispel. C'était de la merde, en plus c'est produit par Michael Bay, donc forcément c'était de la merde. N'hésitez pas donc à regarder le vrai de Tobey Hooper, 1974. Il est franchement, il est pas du tout gore, il est pas du tout violent, mais il est complètement mal fait. Enfin si, il est violent, mais c'est pas le genre de film où tu vois des décapitations tous les bouts de champ, tu vois. En fait, c'est de l'horreur malsaine, c'est pas du gore gratuit comme les remakes. Ouais, allez, ça c'est fait, fils de pute. Oh, regardez-moi cette gueule qu'il a, quoi. On peut pas se baisser. J'aurais bien aimé voir la gueule qu'il a, quoi. Ah, putain, donne-moi ta feuille de boucher. Donne-moi ta feuille de... Ah, joie à viande. Yeah, ça s'appelle une feuille, ça, les mecs. Et voilà, ça fait plaisir, je suis bouché. Et je sais manier la feuille, là il n'y a pas de souci à ce niveau là. C'est exactement l'arme que je voulais depuis le début de ce putain de jeu, je suis trop content. Ça déglingue. Par contre du coup je vais être obligé de prendre la hache, ça fait chier. Ah, c'est glauque. Ouais, et ben écoutez, je vais prendre la hache et je vais venir récupérer mon hachoir. Il est hors de question que je m'en sépare. J'ai envie de jouer avec mon hachoir à viande. Je vais juste ouvrir la porte avec la hache et je vais récupérer mon hachoir à viande. Parce que moi, ça me parle, ce genre d'arme. J'en utilise tous les jours au boulot. Tiens, prends ça dans la gueule, connard. Ok, c'était ici. Wouah, le boucher de l'école, quoi. Le boucher de l'université. Le mec, il rigole pas, quoi. Putain, vous avez vu le nombre de coups qu'il a fallu que je foute dans la gueule, quoi. Après, j'avais pas une arme très très effective, mais même, quoi. Putain, merde, quoi. Mais c'était un combat bien rondement mené, j'ai envie de dire. Voilà. Je m'en suis bien sorti. Je me suis repris deux fois, certes, mais ça va. C'était Leatherface, le mec. Hein. Faut quand même pas oublier que c'est... je suis battu et que j'ai vaincu Leatherface. You terminated, fucker. Voilà. Ok. Hop, je récupère ça parce que ça m'envoie du rêve. Carrément. Même si l'animation n'est pas très très bien faite. En plus, j'ai l'impression qu'il la tient à l'envers, cet abruti-là, non? Bizarre, elle est bizarre, ta feuille.
Normalement, le côté arrondi, le devant de la feuille. Hein. C'est avec ça que tu tapes normalement. Enfin, c'est pas grave. C'est les feuilles américaines, on va dire ça comme ça. Ils font rien comme tout le monde, les mecs là-bas, tu sais. Nous voilà dans l'amphithéâtre. Enfin, je crois que c'est un amphithéâtre. Ou une salle de réunion, je sais pas ce que c'est, très sincèrement, j'en ai rien à foutre. Il y a un truc. Il y a des mecs qui arrivent, qui viennent de je sais pas d'où, je sais pas pourquoi, je sais pas avec qui, et je sais pas comment. Ok. Enfin, j'ai entendu des bruits. Ça doit être là. On dirait un mélange entre une salle de sport, c'est une salle de basket, et puis un amphithéâtre. C'est bizarre cette salle, elle est complètement bizarre. Bon, bah une seule solution. Ah, c'est quoi ici? Il y a peut-être un moyen d'interagir avec ça? Non, pas du tout. Une seule solution, apparemment, ce serait cette porte. Non, pas du tout. Fuck. Bon, cet épisode se passe relativement bien. Je suis un peu moins stressé que d'habitude. Je suis un petit peu moins angoissé que d'habitude. Même si j'ai connu des jours meilleurs. Mais ça va. Ça va. Depuis l'épisode 7, très sincèrement, je sais pas si c'est parce que je commence à avoir l'habitude de jouer à ce jeu, ça doit être ça aussi quelque part. Depuis l'épisode 7, j'ai un petit peu plus confiance en moi, je balise un petit peu moins. Voilà. Non, non, apparemment, il faut bien que je passe par là, puisque quand j'ai ouvert cette porte, il y avait un point de save. C'est un ballon, ça. Ouais, il y avait un point de save quand j'ai ouvert cette porte, donc retrouver le professeur disparu, un certain monsieur Samuel Tibbitts. Chercher des indices indiquant où se trouve monsieur Tibbitts. Ok, et eh ben ce qu'il faudrait à mon avis, c'est que je trouve une zone où on me demandera d'utiliser mes skills. C'est bizarre, c'est mes skills d'enquêteur. Je pense que c'est ça en tout cas. J'espère parce que sinon je vais être bloqué ici pendant un bon petit bout de temps. Je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Il n'y a pas un. Il y a une trace de sang ici, peut-être que c'est un indice. Ah oui, il y avait un truc à faire. Allumer. Qu'est-ce que ça fait? Je vois pas ce que ça fait en fait. Je vois pas ce que ça fait en fait. Le panier de basket là-bas. Sûrement quelque chose à faire avec ça. Oh non, c'est glauque. Il a ses 5 doigts. Transfert complet. C'est Tibbitts. Fingerprints from his personnel file match the hand. It looks like the torturer got to him before we did. En fait, je pense savoir pourquoi paradoxalement, le jeu se fait moins flippant. Plus on avance et plus le jeu se fait moins flippant. Bah, tout simplement parce que plus on avance et plus le jeu s'oriente sur l'action en fait. Oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain, non! T'apprendra à ouvrir ta gueule, Austral. Ça t'apprendra à ouvrir ta gueule, putain. Plus on avance dans le jeu et plus il s'oriente action en fait. Hein. Il y a plus en plus d'ennemis dans les niveaux et tout. Il y a de plus en plus de combats, tu sais. Non, mais genre. Du coup, c'est moins flippant. Parce que t'as pas la même mise en scène, quoi. T'as pas un mec, un connard qui te regarde au loin avant de disparaître dans les ténèbres et tu t'avances une demi-heure sans qu'il se passe rien alors que t'es sur tes gardes, t'es complètement sur tes gardes parce que tu dis où c'est qu'il va m'attaquer ce connard. Y'a plus ça, ça c'était au début du jeu. Ça n'existe plus maintenant. Maintenant c'est que du combat brut. Même si c'est pas du tout rassurant non plus, mais. L'autre il a disparu, je sais pas par où il est parti, l'espèce d'homme rat. J'appelle ça des hommes rats moi parce que ça n'est rien d'autre. Ce n'est absolument rien d'autre. De la racaille. Merde, faut que je mette en ligne mon épisode, moi je suis con. Petite pause, petite ellipse au montage. Je suis en train. Faut que je vous mette l'épisode 9 en ligne. Re les amis. Alors oui, non, fallait pas que je mette l'épisode 9 en ligne. L'épisode 9 il est pas encore tourné. Je raconte que des conneries. C'était l'épisode 6 que j'étais en train de vous mettre en ligne. Voilà, on est samedi soir et ça fait. Très exactement une semaine que je n'ai pas fumé. Putain, ça fait plaisir. J'espère que je vais continuer à garder ce rythme. Non, 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 non. Annulé. Oh, putain.
chaque fois je me fais baiser la gueule avec cette interface à la con. Mes enregistrements tournent, c'est bon. Est-ce que j'ai coupé le temps de mettre l'épisode en ligne? Tac, tac, c'est bon, tout marche. L'Austral armé de sa feuille de boucher s'avance dans les ténèbres. Il y a un truc à faire ici, non? Ça, c'est ok, je sais où il y a de la santé au moins, ça fait plaisir. Ouais, ouais, apparemment, faut que je passe par là, mais... apparemment... je comprends pas, alors. Il y a un mec derrière ce muret, mais... pour y accéder, je vois pas comment je pourrais faire. Il y a pas une interaction à faire avec un objet à la con, là? C'est quoi, ça? C'est un cloué, mais je m'en bats les couilles du cloué, moi. Et ici, avec quoi, là? C'était le début, ça, c'est le début. C'est par où on vient, ici, hein. Ouais, c'est par où on vient, là. T'as le truc de... le panier de basket, là. Je suis sûr qu'il faut aller par là. Dans quoi ils vont me faire avancer, les mecs? Je peux pas me baisser. Non, je peux pas me baisser pour avancer par là. Et il y a un mec là-dedans, hein. Sans déconner, il y a un mec dans ce truc. Il peut me choper les pieds à tout moment. Je sais que c'est complètement suicidaire ce que je suis en train d'essayer de faire. Le problème, c'est que je vois pas par où il faut que j'aille là maintenant. Retrouver le docteur, chercher des indices. Chercher des indices, chercher des indices. Je comprends pas du tout ce qu'il faut que je branle. Chercher des indices. C'est sûrement évident, hein, parce qu'à chaque fois que je monte les vidéos, à chaque fois que je monte mes vidéos, je vois les évidences sous mes yeux. Mais là, je suis pas du tout concentré de la même manière quand je joue, donc... c'est un jeu qui capte votre attention, en fait, et la détourne. Parce que vous êtes toujours en train de regarder à droite à gauche, il n'y a pas un ennemi qui est sur le point de vous sauter sur la gueule. Voilà, vous voyez, par exemple, ça, je l'avais pas vu. Voilà. C'est un jeu qui détourne littéralement votre attention. C'est pour ça qu'il y a des choses que je vois pas et que vous voyez. Parce que vous êtes pas sur vos gardes en train de regarder s'il n'y a pas un mec qui spawn derrière moi ou quoi. Ok, je vais juste... ça m'intrigue, je vais juste aller faire un petit tour là-bas quand même, histoire de voir. C'est des endroits où je suis déjà allé, ça. Ok, d'accord. Tout simplement, ça m'arrange. C'est un jeu très linéaire, très dirigiste, mais moi, très sincèrement, ça m'arrange. Parce que si en plus de ça, c'était des niveaux complètement ouverts, enfin semi-ouverts... j'ai vu un gars là-haut. Non, c'est l'hallucination, c'est le jeu qui te rend parano de toute manière. Si c'était des environnements semi-ouverts, très sincèrement, ça serait encore beaucoup plus sadique, quoi. Au moins là, t'as qu'un chemin, tu peux pas te paumer, tant mieux. Enfin, moi ça m'arrive de me paumer quand même, mais... Allez, Austral, t'as une feuille de boucher, quoi, dans la main, tu sais t'en servir de ça. Je suppose que c'est des chapitres qui vont être relativement longs, ça. Hein. Oh oui, quand je vois tous ces bâtiments, là j'ai l'impression d'être dans une université. J'ai l'impression que c'est un chapitre qui va être relativement long de chez long. Oh, cette mise en scène, cette mise en scène, putain, cette mise en scène. C'est pas une université, ça me paraît plutôt être une école du style primaire ou je sais pas. Oh putain, il m'a fait flipper. Mets-toi en vibreur, j'ai déjà dit. Eh mais c'est moi ça. Ah 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 ah. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Oh, ça doit faire mal. Ça doit faire trop mal. Quoi? Y'a un mec. Je l'ai séché. Je l'ai séché. Oh
Oh non 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 non, il y a trop de mecs, il y a trop de mecs, il y a trop de mecs avec des armes à feu là. C'est un sacré bordel, c'est un sacré putain de bordel. Hop. Ah vas-y fils de pute, fils de pute, fils de pute, je vais être obligé de me servir de mon taser. Je voulais le garder pour les mecs qui avaient une arme à feu. Il y a un mec dans mon dos, il y a un mec dans mon dos, je te jure qu'il y a un mec dans mon dos. Non, c'est bon, j'hallucine, 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 j'hallucine. Désolé, désolé binocle. Désolé binocle. Je sais que tu m'as demandé de te montrer des... ce que tu as appelé des fatalities dans un de mes commentaires. Tu m'as demandé de te montrer tout ça, mais très sincèrement, là, j'avais pas d'autre solution. Je fais ce que je peux, hein. Faut savoir ça. Qu'est-ce qu'il y a? What the fuck, what the fuck? Je suis en train de me faire attaquer par tous les dégénérés du quartier. Ouais, Binocle m'avait demandé de lui montrer les coups finaux, tu sais, les coups fatals. J'allais dire les coups fataux, mais ça veut rien dire. Les coups finaux, les coups finaux, pardon. Bah, les coups... non, c'est pas du tout finaux pour le coup. Les coups de grâce, on va appeler ça comme ça. Je crois que j'ai fait le tour de toute manière des coups de grâce, hein, possible. Il y en a 4. Je pense que j'ai fait le tour depuis le temps. Faut juste pas que je perde ma feuille. Pas que je perde ma feuille. Allez, il est là, ok. Elle est ici, je le saurai. Oh, elle m'en fait flipper, les mecs. Ça sert à quoi de sauter ici? J'aurais jamais dû faire ça. Je peux pas revenir en arrière en plus. Putain, mon hachoir à viande quoi, putain de ta race. Ça sert à quoi de faire ça? Ah, c'est bon, je peux ressortir par là. Oh non. Putain. Ah, je suis dégoûté, j'aurais jamais dû faire ça, putain. Mais il y avait un trou dans le mur aussi, dans la cour là. J'étais dans la cour de Riri, il y avait un trou dans un mur et tout. Et moi je pensais que c'était par là qu'il fallait aller. Voir quoi ici, moi? On m'a montré un connard qui allait se réfugier en peur dans un casier là, mais sang de Tibit. Je suis dégoûté, putain, mon hachoir à viande. En plus, vous avez vu, elle était super efficace, cette arme. J'ai fait la plus grosse connerie de ma vie, là. Depuis le temps, ça a sauvegardé, en plus. J'ai fait la plus grosse connerie de ma vie, là, putain. Le hachoir, elle était super efficace, cette arme. Elle était extrêmement facile à manier, très rapide, et elle faisait énormément de dégâts. En plus, c'est un hachoir à viande, donc c'est épique pour un boucher comme moi. Et le problème, c'est que maintenant, je peux plus revenir en arrière. Ça me fait chier, putain de merde, quoi. Le problème, c'est que ça, je pensais que ça allait être une zone qui n'était pas scriptée. Putain, plus ça va et plus c'est glauque que les environnements. Je pensais que c'était une zone qui n'allait pas être scriptée, puisque vous aviez vu dans un mur, il y avait un petit renfoncement dans lequel on pouvait passer en fait. Et j'étais pas passé dedans, je voulais déjà faire l'intégralité de la cour en fait, avant de rentrer dans le bâtiment. Et en fait, apparemment, ça devait être juste une pièce à la con avec un oiseau ou un bonus à récupérer dedans en fait. Vas-y, je suis armé, tu peux venir reculer. Quoi, 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 ça va venir des casiers. Ça va venir de tous les casiers du monde. Tous les casiers du monde. Il y a des mecs qui vont spawn de tous les casiers du monde. Je le dis, je le sais. J'ai vu assez de films d'horreur pour le savoir. Oh les mains, bande de salopes. Bon, il y a déjà un connard ici qu'il faut que je m'empresse de me faire, de me farcir. Mec, je sais pas par où ils disparaissent, les mecs. Hein. Sans déconner. Ah, il est repassé par au-dessus, ok. Putain, les mecs sont complètement agiles, quoi. Je suis sûr qu'il y a un connard qui va spawn d'un casier. Quoique c'est des... Il y a des trucs derrière là. Une pomme, de la bouffe. Une capote vide. Un manuel de science. Des trucs de lycée hein, quoi. Y'a pas un connard qui peut spawn d'un casier là? Non mais je sais que de toute façon, je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y en a un qui va le faire ça. Tôt ou tard, c'est le genre de truc qui va arriver donc. Tiens, qu'est-ce que j'avais dit?
Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a un mec qui a changé de casier. Il y a un mec qui était planqué dans un casier, qui a profité que j'avais le dos tourné et qui a changé de casier. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là. En tout cas, on me demande de chercher un gars dans un casier. Toi, sincèrement, je vois pas où ça peut être. Hein. En tout cas, c'est pas là, apparemment. Non, 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 non. Il y a un mec qui a changé de casier. Et vous laisserez pas traîner vos pompes puantes dans les casiers, les mecs, hein. Parce que très sincèrement, c'est pas très agréable pour le voisin. Non, non, mais je dis ça parce que Stevie, la dernière fois, c'est ce qu'il a fait. Ah bah, des pompes, elle pue à la merde. On sait pas ce qu'il a fait, le mec. Hein. Stevie, la dernière fois, il est rentré du sport, il a mis ses pompes dedans. Très sincèrement, ça pue à la mort, quoi. Vous pouvez demander à toute la classe, toute la classe s'en est plein. Non, mais. Donc, c'est terminé. Je ne veux plus entendre d'histoire à ce sujet-là. Hein. Faut quand même arrêter les conneries. Un petit peu de respect pour eux. Oui, bah c'est ça, vivre en communauté, les mecs. Hein. C'est ce que l'école est censée vous apprendre. Qu'est-ce que c'est que ces bruits là? J'avais dit de changer la plomberie. Voilà ce qui se passe quand un établissement scolaire n'est plus subventionné par l'État. Voilà ce qu'il arrive. Bah, c'est un sacré bordel, quoi, tout simplement. Si je chope le ministre de l'éducation, très sincèrement, ça va chier. Qu'est-ce que je suis censé branler là, sans déconner? Parce que là, on est bien d'accord que je peux pas passer par là. Ah, comme ça. Ah oui, ça tombe vraiment en ruine, ta merde là. Tac, tu m'auras pas par surprise. Et puis toi, tu m'auras probablement par surprise dans un prochain épisode. Bon bah écoutez, quand faut y aller, faut y aller. De toute façon, le taser est à moitié rechargé. Même complètement rechargé en fait. J'ai loupé comme un putain de noob. Ah, on peut pas parier avec ça? Ah si, on peut. Putain, bah c'est juste moi qui ai fail en fait, tout simplement. Je voulais pas utiliser des munitions pour ce connard. Je préfère avoir des ennemis plus forts comme ce connard. Voilà. Vous avez vu, ça c'était un nordique. Je les appelle les nordiques en fait. C'est les mecs qui sont. Ils sont en mode années 70. Là, ils ont des longues tignasses et des longues barbes. Comme les têtes de vos darons sur les photos d'identité. Vous demanderez une photo d'identité. Ah bah non, quoique maintenant ils ont dû changer depuis le temps. Tiens, le permis de conduire. Vous demandez le permis de conduire à votre père, les mecs. Demandez le permis de conduire à vos darons et puis vous allez voir la tête qu'il a dessus. Bah en général, c'est la même tête que des nordiques dans Skyrim. Voilà. Le mien c'était ça en tout cas. Hein. Pour ceux qui ont eu des. Pour ceux qui sont de ma génération, bien évidemment. Et eux, je les appelle les nordiques parce qu'ils sont incroyablement robustes et résistants, comme la Robusta Flex de chez Robusta. Et du coup, c'est pour ça que je préfère utiliser mes munitions contre ces connards. Qu'est-ce que c'est? Bon, bah apparemment, faut que je trouve le connard qui est dans le casier, donc ça peut être dans cette pièce. C'est des bouteilles de champagne. Qui a emmené de l'alcool? En cours. Répondez vite. C'est incroyable de voir ça, putain les mecs. À la jeunesse, sans déconner quoi. Ouh, ça sent la merde là-dedans, c'est quoi? C'est les douches? Non mais ça sent la merde dans le sens où voilà, y a des mecs qui courent comme ça à poil dans les douches, sans déconner, putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, comment c'est glauque. Donc lui il est allé à droite, il va pas nous tendre de piège. J'espère que t'as un caleçon de bain l'ami, hein, parce que très sincèrement j'ai pas envie de voir ta zigounette. Hein. Ouais j'ai des zigounettes. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Fuck.
Je m'en doutais en plus, mais je l'ai fait, parce que je suis un débile. Une pelle nécessaire. Ok. Faut que je trouve une pelle. J'ai pas très bien fouillé la salle au casier là. C'est un sacré bordel là-dedans en tout cas. Vous me rangerez tout ce bordel les mecs aussi parce que putain. Incroyable ça. Incroyable de voir ça. Ah ça, ramener des bouteilles de champagne dans les casiers, là il y a du monde. Hein. Mais alors par contre pour ranger sa merde après être passé, là il y a moins de monde d'un coup là. Ah apparemment il y a un truc à faire ici. Ah bah tiens, je suis dessus. Elle est là. Appuyez sur préparer l'outil de collecte. Hein? Hein? The trail just ends at a bank of lockers. Thomas, have you looked inside? Intérieur de quoi tu veux que je regarde, putain? Ouais, j'ai cru que j'allais me sauter à la gueule ce connard. Oui bah simple précaution, je sais pas qui c'est mais très sincèrement j'ai pas envie de le savoir. Je sais pas si c'est le directeur de l'école. Toi ils t'ont bizuté mon gars mais alors ils t'ont pas loupé. Ça c'est un bizutage en bonne et due forme. Là c'est du bizutage très sincèrement, ça fait penser au... Ah j'aime pas faire ça parce que j'ai peur, toujours peur que le mec il... J'ai toujours peur que le mec il... Faut que j'aille jusqu'où comme ça? Non, faut que je recule. Ah voilà, c'était par là. Putain, c'était où? Faut vraiment reculer au maximum en fait. Ouais, enfin, ce qu'il en reste, quoi. Mais comme de par hasard. Ouais, ouais, non, mais je sens le coup foiru. Vous ferez pas ça à l'Austral, les mecs. Vous ferez pas ça à l'Austral. Moi, je connais le cinéma d'horreur, je connais. Et voilà, je le savais, de toute manière. Oh, par contre, t'es dans un état, mon gars. Ils t'ont bien déglingué la mâchoire. The torturer. Okay, take it easy. Do you know where he is now? Other man, King, to Carl away. Let me see to die. What the hell? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Rosa, send an EMT immediately. Ah l'appel. Oh c'est dégueulasse. Waouh, il s'est fait déglinguer le mec. Il s'est fait péter la gueule. Similar to the pesticide we found on the matchmaker's neck? An exact match. I've been running an analysis on those samples. It's azanphosphethyl, and is class 1, highly toxic. Was previously used as an insecticide for all sorts of agricultural crops, now banned for domestic use, and can only be used commercially by permission. This particular formulation includes some other trace chemicals that can be mentioned chaque fois, ça. Yeah, the town of Briar is pretty rural. Any chances there's an apple orchard up there? I'll get right on it. Putain, rigolez pas les mecs.
On va me demander d'aller dans une espèce de maison dans la campagne ou dans les bois ou je sais pas où, et c'est exactement ce que m'ont dit les gars sur le forum. Ils m'ont dit la maison dans la campagne là, épisode 9. C'est l'horreur, ils m'ont dit ça comme ça les gars, ils m'ont dit tu vas voir mon gars, ils m'ont dit tu vas voir. Voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà ce qu'ils m'ont dit, ouais. Ouais, ils m'ont dit ça les mecs, ouais. C'est pas votre genre de vous prendre dans mon dos, non? Enfin, de me prendre dans le dos, je veux dire. Parce que vous pouvez vous prendre dans mon dos si vous voulez. Faites ce que vous voulez, hein, les mecs, avec vos bites. Mais sinon, c'est pas trop votre genre de me prendre dans le dos, non? Non, en général, vous êtes plutôt des mecs... vous y allez frontalement, vous. Hein. Ok, non, j'ai regardé juste s'il n'y avait pas un mec ici tapis dans un coin prêt à me tendre une embuscade. Ou à me prendre par derrière, je sais pas. En plus, on arrive dans les douches, très sincèrement. C'est pas le moment de ramasser la savonnette. Donc là, il y avait un mec ici. Et là, je vais avoir besoin de la pelle. Ok. C'est quoi ça là-bas au fond? Regardez les mecs là-bas au fond, il y a un truc qui bouge, non? Derrière les conduites de gaz. C'est un bug, c'est quoi? Je sais pas. Allez, dépêche-toi. Hop, putain. Alors oui, du coup, je sais que l'épisode 6 qui a été upload vendredi dernier fait un petit peu tâche avec ses 13 minutes. Mais bon, c'est le jeu qui est comme ça. Hein. Moi, je suis fidèle à ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est une vidéo par épisode, voilà. Il durait que 13 minutes, c'était pas beaucoup, mais bon. Au moins, là, sur ce week-end-là, avec l'épisode 8 et 9... Il va y avoir du contenu, hein, parce que là c'est des épisodes qui durent au moins une heure. Bah celui-là il est en train de durer au moins une heure. Hein. Je vais bientôt être à l'heure de jeu là, donc l'épisode 8 m'a duré au moins une heure et demie, c'était le plus long que j'ai fait jusqu'à maintenant. Oh, ça me plaît pas ça la piscine. De toute manière je pense que les derniers épisodes là, 7, 8, 9, 10, ils vont être extrêmement longs. Hein, parce que je vous rappelle que je suis censé, que le jeu est encore censé durer au moins 6 heures de temps. Donc 6 heures de temps en 3 épisodes quoi. Donc faites vos calculs les mecs. Ouais, c'était sûr qu'il fallait que je descende. En tout cas, je pense que ce niveau-là... Non. Mais tu viens d'où toi comme ça? Putain, mais les mecs... Qu'est-ce que c'est que c'est quand même? Complètement space. Oh là là, les mecs qui spawnent par milliers, par centaines de milliers, par centaines de milliers. Ah, j'ai paré en vrai, j'ai paré. Putain, je me suis fait enculer par le jeu aussi. En vrai, j'ai paré là. C'est quoi cette triche? Non, mais vas-y. Putain, j'ai paré là. Oh putain, il m'a tué. De toute façon, il y avait un point de contrôle. Je me suis débrouillé comme une merde, comme une quiche là sur ce passage. Je suis désolé, mais j'ai paré à un moment et le jeu n'a pas réagi alors. Non, c'est pas de la mauvaise foi. Hein. Non, c'est... Je te dis que c'est pas de la mauvaise foi. J'ai paré, le jeu n'a pas réagi. Ça peut arriver aussi, des bugs. Hein. Ça va, ils m'ont pas remis trop loin. Mais l'autre, je sais pas d'où il vient comme ça, là. Ah, il vient de là-dedans, lui. Ah, t'es comme ça, comme gars, toi. J'ai pas compris d'où il venait, en fait. Je sais pas. Les mecs, ils arrivent, ils spawnent comme ça, tu sais pas. Bon allez, je vais aller les cueillir au point de spawn les mecs, comme ça au moins ils n'auront pas le temps d'atterrir par centaines de milliers, voilà. Il y en a un autre qui est où? Qui est là. Fuck. Vas-y, ils font trop de santé, en plus ils enlèvent trop de santé quand ils font ça les mecs. Ouais, vas-y, déglinguez-vous la tronche. Fils de pute. On peut pas parier avec l'épée, ah si. Ouais, les mecs ils sont 15 milliards de dollars. Merci, franchement tu t'assures toi. Bang. Oh putain, mais ils sont 15 000! Oh non, mais c'est l'horreur ce passage. Merci.
Allez, plus qu'un. Enfin, j'espère. Désolé, binocle. Ouais, bah franchement, là, je suis pas trop d'humeur à pinailler. Oh putain, il est pas mort. Allez, ça c'est fait. C'est bon là? C'est bon les spawns par groupe de 15 là? C'est bon là? Oh la vache. Efficace l'appel hein, en tout cas. C'est quoi ce truc? Je suis censé faire quoi là? Il y a des trucs dans le jeu, tu sais même pas pourquoi. Il se passe des trucs dans le jeu, il se passe pas mal de trucs dans le jeu. Je suis où là? Ah ok. Il se passe pas mal de trucs chelous quand même dans ce jeu. J'aimerais bien qu'on me donne une explication sur l'état mental et psychologique de mon mec en fait, du mec que j'interprète là. Parce que si c'est pour interpréter un schizophrène qui va se rendre compte à la fin du jeu que c'est lui qui est l'auteur des crimes, très sincèrement, parce que j'ai l'impression que ça va être ça en plus. Bah ouais, j'ai l'impression que ça va être ça. Écoutez-moi ces bruits bizarres. Bug pas. Si mon HDP vert pouvait tenir le coup jusqu'à la fin de cette vidéo, je serais un homme heureux. Puis j'ai plus beaucoup de santé là, ça va être tant d'axes de chez tant d'axes ces histoires de cul. Hein quoi? Pourquoi tu dis des histoires de cul Austral? Je sais pas, je raconte n'importe quoi parce que je suis entièrement sous stress là. Je suis complètement sous stress, comme un mec qui va passer le code, comme un mec qui va passer le permis de conduire. Oh putain! T'étais pas tout seul toi si? T'étais tout seul toi? T'as osé venir tout seul? Ça va bien. Merci. Bon. Ils sont pas encore assez salopards pour te faire spawn un mec entre deux coups de hache, hein, ça va. Quand tu ouvres une porte comme ça. Non, parce que ça pourrait. Moi j'aurais fait le jeu, je l'aurais fait en tout cas. Je t'aurais fait spawn un mec quand le mec est en train d'ouvrir la porte. Ah j'aurais fait le salopard. Moi j'aurais fait le jeu, très sincèrement j'aurais été un salopard. Mais t'imagines même pas. Hein. Non mais il y a des trucs dans le jeu, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi ça arrive, tu sais pas avec qui ça arrive, tu sais pas où ça arrive, quand ça arrive et comment ça arrive. Tout ce que je voudrais c'est de la putain de santé. Là je vais me faire attaquer par des mecs dans les casiers. Fils de chien. Là je vais me faire attaquer par des mecs dans les casiers. Technique de la pucelle qui sort en boîte. Technique de la pucelle qui sort en boîte. Oula. J'aime pas trop les casiers qui s'ouvrent au moment où il y a un point de save. Un point de save. Quoi? Si vous voulez sortir des casiers, les mecs, c'est maintenant. C'est pas dans 30 jours. Qu'est-ce que je prends? Une masse. Apparemment, cette porte-là va me demander une masse. Ouais, c'était sûr en fait. Je vais juste aller faire un tour là-bas. C'est même un endroit où on peut aller. On peut littéralement visiter toute l'académie. C'est complètement dégueulasse ici ce qui s'est passé, non? Voilà ce qui se passe quand on ramasse la savonnette. Oh, c'était dans le playthrough de PewDiePie là. Il m'avait fait hurler de rire le mec. À un moment, il arrive dans une salle dans Outlast, tu sais, t'as des baignoires et tout, avec des mecs complètement glauques en train de prendre des bains de sang, tu sais. Et il y a un mec qui est à moitié mort, il y a un cadavre en fait, il y a un cadavre dans une baignoire de sang comme ça. Et t'as PewDiePie, il se pose au-dessus comme ça, puis il sort. Voilà ce qui se passe quand on bouffe mexicain. J'ai explosé de rire, mais putain. Ah ouais, lui, franchement, il est très fort. N'hésitez pas à aller suivre ses aventures sur Outlast parce que franchement c'est du bonheur. Après faut parler un tant soit peu anglais quand même, histoire de comprendre un petit peu ce qu'il dit et le genre de van qu'il raconte, mais il est trop fort ce mec. Niveau commentary, franchement c'est un des meilleurs que j'ai vu. Hein. Très sincèrement là. Ouais. Là il y a du lourd. Ok, ouvrir la porte. Thank you.
de malade, je te jure que c'est un jeu de malade. Je te jure que c'est un jeu de malade. C'est un jeu de malade, je te jure que c'est un jeu de malade, mon. Oh putain, non, 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 Oh, il dégueule du sang à chaque fois mon personnage, il est complètement taré. Qu'est-ce que c'est que ce mec? J'ai pas d'arme. Oh non 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 non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça, je peux pas, je peux pas. Enlevez-moi cette blatte ou je sais pas ce que c'est là, mais... Ah putain, plus il est gros. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est que ce jeu? There are no currently licensed fruit orchards in the town or the surrounding countryside of Briar. But there was one once. Apple Seed Orchard, just outside of Briar on Route 4. In business for 40 years, but closed its doors just 10 years ago after a tremendous outbreak of apple maggots. The orchard never recovered. Curious though, county deeds show it's owned by an out-of-state real estate firm. C'est quoi ce jeu de malade? Il y en a qui vont se demander pourquoi j'étais revenu sur mes pas là quand j'ai entendu les espèces de rires d'enfants démoniaques là dans les douches, les chiottes. J'étais revenu sur mes pas en fait. Bah d'une parce que je flippais et j'avais envie prendre mon temps avant d'avancer dans le jeu. Et de deux, c'est parce qu'il y avait une porte que j'avais pas ouverte avec la masse en fait. Et je voulais aller ouvrir la porte avec la masse avant de m'avancer davantage dans le scénario. Bon, j'ai pas eu le temps, du coup j'ai pas eu le choix. Et en fait j'ai complètement flippé. À un moment j'ai sursauté, mais comme un fou furieux, j'ai fait un bond de 3 mètres sur mon canapé. Parce que il y a le truc qui s'est. Il y a le décor qui s'est refermé derrière moi en fait. Au moment où j'étais sous tension, mais une tension mais énorme avec les rires d'enfants là, il y a la porte qui s'est refermée derrière moi. Comment j'ai flippé, oh la vache. Et là j'ai pas d'armes, j'ai rien du tout quoi. J'ai rien du tout. Apparemment on est dans le Hall of Fame de l'université. Oh la vache. Puis moi tu sais, genre une demi-heure avant... Très sincèrement les mecs, plus j'avance dans le jeu et plus je suis serein, très sincèrement, plus le jeu ça va et moins il fait peur et tout. Et là, très sincèrement, le passage dans les douches et les chiottes là, mais c'est un des pires du jeu quoi. Waouh, j'étais pas bien, j'étais tout blanc, à mon avis je suis tout blanc là. Non, c'est Van Horn. Un visage amical enfin. Enfin, amical, le mec il est quand même space. Hein. Oh mon dieu, cet épisode, bah, il aura duré une bonne heure je pense. Vu que je l'ai fractionné, j'arrive pas à voir combien de temps il a duré, mais je pense que ça doit durer au moins une heure, peut-être même plus. Holy shit, ce putain de chapitre, il y avait de l'action, il y avait du suspense, il y avait des passages complètement flippants. Un des passages les plus réussis du jeu, avec le niveau 5, très sincèrement, ce niveau-là et le niveau 5, pour moi là c'est les deux plus réussis du jeu. Putain. Parce que là il y avait de l'action, il y avait des types d'ennemis, il y avait trois types d'ennemis, il y avait les espèces d'hommes rats, il y avait les truands habituels, et il y avait le boucher, non, le boucher, d'où il sortait ce mec. Le boucher quoi. J'ose même pas imaginer avec quoi il a survécu à l'apocalypse là.
Ouais, il y en a, ils vont me dire, mais c'est pas un jeu post-apocalyptique, Austral. Ouais, j'ai l'impression, hein, parce que putain, quand je vous rappelle que dans la ville, sur 10 bâtiments dans la ville, il y en a 9 qui sont brûlés ou dévastés. Donc forcément, je pense que j'ai l'impression que je vois Fallout quelque part. Allez, on continue pour voir s'il n'y a pas une cinématique ou quoi que ce soit. Waouh, ce passage extrêmement réussi. Alors le passage dans les douches là, waouh, les douches, le carrelage des douches, la faïence tapissée de sang et le rire démoniaque des enfants qui se fait de plus en plus fort. Waouh, le coup de pression qui m'a mis. Et le HDPV est en train de bugger, ça tombe bien, la vidéo se termine. Ou à quoi que non, ça va, il bug pas en fait. C'est moi qui fantasme en fait. So why are you in on this? I have a sense of responsibility. I needed to help. Help? You mean with my investigation? Yes, among other things. There was a time I thought I was the best investigator the Bureau ever had. Now it seems they were interested in me for other reasons. What do you mean? I saw my file. Apparently I'm some sort of circus freak to them. Hmm. That may not be helpful. Ah oui, c'est vrai que génétiquement parlant, le mec il est chelou en plus. I would stay away from the Bureau as long as I could. It's not like I have much choice, since they still think I killed those two officers. Their deaths were unfortunate, but maybe it's best this way. Best? You seem to know a lot more about what's happening than you're letting on. Ouais, mais il est foireux. Stay on your toes. Et là, les amis. Drop you off at the house and head over to the barn. I'll meet up with you later. Et là, les amis, je vous rappelle que là, on arrive à l'épisode 9. Et que l'ensemble des gens qui ont joué à ce jeu sont d'accord pour dire qu'il s'agit du chapitre le plus effrayant et le plus traumatisant du jeu. Oh. Oh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oui, j'ai bien l'impression. Bah écoutez les mecs. Là, je vais jouer, pas ce soir, là je vais arrêter de jouer pour ce soir, je jouerai un autre soir la semaine prochaine. Je jouerai le soir de mon... Tiens, mardi soir, mercredi soir je jouerai. De toute façon l'épisode là, faut que je le mette en ligne. L'épisode 8 sera mis en ligne vendredi, l'épisode 9 samedi, c'est ça? Ah non. Épisode 8 samedi, donc l'épisode 9 il sera mis en ligne. L'épisode là 9 sera donc mis en ligne vendredi prochain, chers amis. Voilà. Et donc, je vous rappelle qu'il s'agit du chapitre le plus effrayant du jeu. Et vous savez quoi? Puisque je vous aime, je vais vous en donner un petit aperçu. Rapide, léger, sans trop vous spoiler. C'est parti. Je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais, mais c'est juste un petit aperçu du jeu, du chapitre. Oh, cette maison. Oh, cette maison. Oh, cette maison perdue dans les bois. Oh, ces bruitages dans les combles. On arrête là. Je vous en montre pas plus. Voilà, donc ça sera l'épisode 9, chers amis. Et apparemment, il va être traumatisant cet épisode. Et en plus, je vous rappelle que 9, c'est un 6 renversé. Et le 6, je vous rappelle que c'est mon chiffre noir. C'est celui qui m'emmène que des emmerdes sur ma chaîne depuis la création de ma chaîne. Et même sur mon ancienne chaîne. J'ai toujours des emmerdes avec le 6. Et le 9... le 9, c'est un 6. C'est un 6 renversé. Allez, moi j'arrête de jouer pour ce soir avant que je pète littéralement un câble. Sur ce, les amis, c'était un plaisir. Pas du tout, en fait. C'était un plaisir masochiste, comme chaque soir, de jouer à ce jeu avec vous, en votre compagnie. Et on se dit à vendredi prochain pour vous, vendredi et samedi prochain pour vous, pour les chapitres 9 et 10. Ça dépend, parce que si le chapitre 9 il dure 3 heures, je le ferai en deux fois. Voilà, je ferai deux épisodes du coup. Je vais pas faire un épisode de 3 heures parce que personne ne le regarderait. Voilà. Donc voilà. Donc les épisodes 9 et 10, s'ils sont pas trop longs, ils arriveront vendredi et samedi prochain. Il n'y a pas de souci. Toujours à 22h. Voilà. Et ça sera la fin du playthrough. Voilà. Parce que le jeu se termine après le chapitre 10. Et voilà, sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente soirée à vous.
Moi, je vais essayer de dormir sereinement après ça. Ça va pas être évident. Hein. Mais bon. Allez. Sur ce, les mecs, ciao. À la prochaine, prenez soin de vous. Hein.